Erin Blanchfield contre Manon Fiorot. Pardon ? Erin Blanchfield contre Manon Fiorot. Ça vous dit quoi ? Pas du tout. C'est non, bonjour, c'est Jean-Serge Lomba, le spécialiste des relations plus épanouies au quotidien. Alors ici, format inédit, pour une journée inédite, on va tester la ville concernant le match que nous attendons tous ce soir. Manon Fiorot versus Erin Blanchfield. Qu'est-ce qu'ils pensent les gens? C'est parti! Bonjour, une question s'il vous plaît. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Qui c'est qui gagne? I don't speak English. I don't speak French. Non, non, c'est français. Manon Fiorot, vous connaissez? Yeah. Contre Erin Blanchfield. Erin Blanchfield. Erin Blanchfield? All right. OK. Thank you. Bonjour, une question s'il vous plaît. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Qui c'est qui gagne? Qui ça? Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Je ne sais pas qui c'est, désolé. Ah, parfait, merci. Bonjour, question s'il vous plaît. All right. One question, please. Bonjour, une question s'il vous plaît. Oui. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Eh bien, on n'est ni l'un ni l'autre. C'est moi, Manon. Manon Fiorot. Vous oui, êtes... c'est moi. Ah non, c'est vrai. Ouais, parfait, ouais. Parfait. Non, c'est du sport de combat, c'est pour savoir qui est-ce qui connaît en fait. Manon Fiorot, c'est une Niçoise qui combat aujourd'hui aux États-Unis pour un combat très important dans le monde du sport. Et c'est pour savoir qui à Nice déjà la connaît. Et il y en a qui la connaissent. Et c'est quoi, c'est un micro ça? Ça, c'est un micro. Hein. Ah bon? Ah bah, c'est vrai. C'est pour ça que je demande, c'est pour ça que je vous le tente. Ah, c'est une bonne intention aussi. Si j'en avais, je vous les offrirais. Vos sourires, vous ne connaissez pas. Non. C'est pas grave. Merci pour votre temps. Non, mais... Merci et bonne journée à vous. Bonjour, une petite question, s'il vous plaît. Ah, bah, parfait. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Et alors, Christian, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Manon Fiorot, c'est une niçoise, en fait, qui combat aujourd'hui à l'UFC. Et comme c'est quand même un combat important, je voulais savoir qui est-ce qui connaît Manon Fiorot à Nice. C'est Nice. Bonne journée, merci beaucoup. Messieurs, dames, bonjour, une petite question. Oui. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Ça vous dit quelque chose? Non. Non? Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée. Ça va bien? T'as vu, je suis en fond là. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. On attend tout ça. Hein. Alors. On attend tout ça, on espère qu'elle va bien représenter. Il y a la vidéo. Il y a la vidéo. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est un mec du Matadi. Arrête. Ah ouais. Ça va? Ça va bien, la forme? Ouais, nickel. C'est quoi le concept? Manon Fiorot. Manon Fiorot, Erin Blanchfield. Ah bah tu vois? Manon Fiorot, c'est... Si, attends. Il a rattrapé. Il a rattrapé. Là, c'est son combat juste avant le titre. Là, si elle gagne, c'est son combat avant le titre. Ouais, c'est ça, c'est une MMA? C'est ma chance, moi, ouais. Mais non, c'est YouTube aussi. JSM Instant Coaching. Sur Instagram. Ouais, je te souviens un truc de fou. JSM Instant Coaching. JSM. Toi, tu t'entraînes où? Moi, je m'entraîne pas malheureusement. Mais l'année prochaine, mais c'est pas grave, c'est bien le basket. Hein. Voilà, je me suis abonné. Ah, super. Bah, tu vois, il y a les. Voilà, super, super. Il y a du monde là un peu, ça va hein. Bah, regarde, mais il y a beaucoup de non, mais il y a déjà. Mais personne ne connaît quand même Manon. Ils connaissent pas Manon. Enfin, ils peuvent ne pas connaître le sport, mais Manon qui est maintenant. C'est pour ça que là, en ce moment, il y a pas mal de taf qui est fait pour essayer de la montée médiatique. Il faut. On a vu qu'elle n'était pas assez médiatisée. Hein, exactement. Sur Nice, même dans la Côte d'Azur. Mais je pense qu'elle-même, elle devrait aussi sortir un peu Elle va gagner, tu penses? Je souhaite, mais. Après, tout est possible. Elle est à la maison, la numéro 2. C'est numéro 3 contre numéro 2. Elle est à la maison, chez elle. Quand j'ai vu déjà le. Tu as vu un peu le. Le face-off. Elle a toute la foule qui est contre elle. Tu as vu, et puis tu as vu. Manon a été un peu contractée, moi, je trouve. Ouais, mais bon, ça, c'est normal. J'espère qu'elle va lâcher les gaz quand ce soir. On a confiance en elle. Voilà.
espérant qu'elle arrache tout. Voilà. De spectaculairement parlant, comme ça, ça fait parler. Voilà. Et ça va la faire un peu, elle va un peu monter, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui, sujet Manon Fiorot. Qui c'est qui la connaît? Et si je perce un jour, il n'y aurait une vidéo sur moi? Non, toi tu mérites pas, toi. Regarde, ta vidéo, elle est déjà là. Présente-toi. Dis-toi. Présente-toi. Je suis voilà. Futur combattant pro. Je vais donner la force. Voilà. Ça y est, t'es lancé déjà. Ah, là, t'es... Allez, vous faites quoi, là, vous? Non, on se voit là. Ok, ça marche, les gars. Moi, je suis là. Après, je fais un autre point. Ouais. Après, bon, force pour ce soir. Ok, ça marche. Ciao, ciao. On se voit vite. Ah, mec. Alors, comme tu peux le constater, les réponses sont éparses concernant Manon Fiorot, Erin Blanchfield. Donc continuons, on poursuit, on voit un petit peu ce que ça donne sur la place Masséna par un temps mitigé. On va voir. Pratiquer les arts martiaux, pratiquer les sports de combat, c'est aussi quelque part se confiner dans des univers où nous avons l'impression que tout le monde comprend notre langage, tout le monde sait de quoi on parle, alors que on est très très loin de ce cas de figure. Tua manera non, tua manera non, tua manera non, tua manera non. Tua manera non, tua manera non, tua manera non. Bonjour, question s'il vous plaît. Alors, Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Merci. Bonjour, question. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Qui c'est qui l'emporte? Eric. Erin Blanchfield, vous la connaissez? Non, c'est non, en fait, c'est une Française qui va combattre à l'UFC ce soir contre une Américaine. Wow. Voilà. Mais comme elle est de Nice, ah bon? Oui, c'est une Niçoise, et que personne ne la connaît, je fais un peu cette... voilà, ce micro-trottoir. Merci à vous. Bonne journée. Bonsoir, Manon Fiorot versus Erin Blanchfield. Merci. L'actualité qui est si brûlante pour le fan du MMA ne vaut absolument pas grand chose pour la plupart. La plupart. Mais c'est ça les microcosmes. Hein? Le sport MMA, sport rugby, sport football, boxing, cycling, rugby. Chacun vit dans son microcosme. Bonjour, question. Erin Blanchfield contre Manon Fiorot. Thank you. Bonjour, monsieur. Question. Je ne parle pas français. Manon Fiorot versus Erin Blanchfield. No English. No English? No English. German? No. Thank you. Bonsoir, question. Manon Fiorot versus Erin Blanchfield. Bonsoir, question. Erin Blanchfield versus Manon Fiorot. Patience, attention. Bonjour, question. Manon Fiorot versus Erin Blanchfield. Qui est-ce qui l'emporte? Merci, bonne soirée.